Alors, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Il est présentement 11 heures, donc on va pouvoir débuter le webinaire. Alors, merci de vous être inscrit à cette séance de formation en ligne. J'imagine que vous y êtes ici pour en apprendre davantage sur Lexibar et c'est effectivement l'objectif de la présentation aujourd'hui. Donc, pour information, le webinaire, dans le fond, dure 60 minutes, ce qui normalement comprend la période de questions. Des fois, on peut déborder un peu s'il y a beaucoup de questions, mais généralement, là, en une heure, on a la possibilité de couvrir, en fait, toute la matière, en fait, par rapport au logiciel Lexibar. Alors, bienvenue dans cette séance de webinaire. Comme je le disais, je vais commencer par me présenter à vous. Donc, mon nom est Mélanie Allé. Je suis responsable de la formation et du marketing chez Elem Technologies. Je vous ai laissé ici mes coordonnées parce que si vous avez besoin d'assistance ou vous avez des questions par rapport à ce qui va être dit aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à me contacter par la suite, que ce soit par courriel ou par téléphone. Alors, avant que d'aller plus loin, je voudrais juste savoir si vous m'entendez bien. Donc, ici, dans l'onglet Discussion, si c'est possible pour vous de m'écrire comme quoi vous entendez bien, que le son fonctionne bien, ce serait apprécié. Je vous mets ici un petit imprime écran, je ne sais pas si on voit grand-chose, je ne pense pas qu'on voit grand-chose, mais si vous voyez le petit chat, la bulle, si possible, là, de cliquer dessus et de juste m'écrire que vous m'entendez bien ou un petit bonjour, là, peu importe, juste pour que je puisse savoir que je ne parle pas toute seule dans mon bureau ce matin. Super, merci Jocelyn, merci Catherine, merci à tous. Super, merci Cédric, génial, Kathleen. OK, bon, j'ai beaucoup de messages en même temps, donc je pense que le son est bon. Donc, tant mieux, parce que des fois, la technologie nous réserve des surprises. On est bien placé pour le savoir. Donc, j'espère que tout va bien se passer aujourd'hui. Donc, premier webinaire officiel pour 2019 pour moi. Donc, on se croise les doigts que tout fonctionne. Très bien. Alors, les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment de voir les cinq fonctions d'aide du logiciel, donc de couvrir en fait, de bien voir des exemples avec les cinq fonctions d'aide pour que vous puissiez bien comprendre à quoi sert Lexibar, comment on peut l'utiliser, pour qui ça s'adresse et tout ça. Donc, on va avoir le temps de voir tout ça. Au niveau d'un petit, en fait, je voulais vous faire une petite présentation en guise de préambule pour vraiment vous situer par rapport à l'entreprise Elem Technologies et l'évolution en fait du Lexibar pour que vous puissiez bien comprendre où on s'en va avec ça et c'est quoi nos objectifs. Donc, l'entreprise s'appelle Elem Technologies, c'est l'entreprise en fait qui est située au Québec, dans la région de Lanaudière, plus précisément à Terrebonne. L'entreprise a été créée en 2008, donc ça fait maintenant 10 ans que l'entreprise existe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 5 premières années ont été de la recherche et du développement en partenariat avec des orthophonistes. L'objectif, c'était vraiment de développer un algorithme de prédiction phonétique des plus performants. Donc, c'est vraiment né d'un besoin, hein. On sait que sur le marché, si on se reporte à 2008, oui, la prédiction de mots existait, mais c'était vraiment limité à l'orthographe. Donc, pour les utilisateurs en plus grande difficulté, il n'y avait malheureusement rien qui existait de fonctionnel sur le marché. Donc, en 2013, c'est la toute première version du Lexibar qui a été lancée. S'en est suivi plusieurs autres versions qu'on va voir. En fait, celle qu'on va voir, pardon, aujourd'hui, c'est la LP5. Donc, c'est le nom, disons, commercial de la version qu'on a lancée officiellement en 2017. Il faut savoir que c'est un logiciel qui est bien sûr majoritairement utilisé au Québec, mais aussi au niveau de la francophonie canadienne. Donc, majoritairement Ontario, Nouveau-Brunswick, mais on voit de plus en plus d'utilisateurs partout au Canada et bien sûr aussi en France, en Belgique et en Suisse. Donc, pour nous, c'est vraiment très enthousiasmant de savoir que la technologie voyage très bien, même de l'autre côté de l'Atlantique.
Ensuite, une question qu'on pose souvent, c'est à qui s'adresse Lexibar? Bien sûr, on a d'abord commencé à le commercialiser au niveau de la clientèle ayant des troubles d'apprentissage. Plus précisément, on parle ici de la dyslexie, dysorthographie et dysphasie. Donc, c'est vraiment pour cette clientèle-là que Lexibar est associé généralement, puisqu'il est présent vraiment dans le contexte scolaire, là, au niveau primaire, secondaire. Mais on s'est vite rendu compte que ça pouvait aider beaucoup plus de personnes que l'on pensait. On parle ici là, de toutes les personnes en processus d'apprentissage du français. Il y a de très, très beaux résultats là, au niveau des classes d'accueil, par exemple. Des élèves qui sont allophones, par exemple, et qui vont apprendre le français. Lexibar est vraiment tout indiqué pour cette clientèle-là. Donc, aussi pour l'éducation aux adultes. Donc, maintenant, les universitaires, les étudiants, pardon, au collégial aussi utilisent Lexibar alors, comme mesure d'adaptation. Donc, pour nous, c'est vraiment super intéressant que ce soit aussi large comme public. Et si on résume, en fait, on peut dire que Lexibar peut s'adresser potentiellement à toute personne ayant des difficultés à lire et à écrire. Pourquoi? Parce que les cinq fonctions d'aide proposées par le logiciel, dans le fond, ont l'objectif d'accompagner l'utilisateur en contexte d'écriture et de lecture. Et comme on va le voir, on peut vraiment adapter les fonctions d'aide qu'on va donner accès, dans le fond. On peut choisir quelles sont les fonctions qui sont nécessaires, qui sont requises, et dans le fond, adapter le logiciel vraiment aux besoins uniques de chaque utilisateur. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler là, aussi généralement que ça. Au niveau de l'âge, ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Ce qu'il faut savoir, en tout cas au Québec, là, plus précisément, il va être généralement introduit vers la troisième, quatrième année. Donc, on parle du système scolaire du Québec, mais il est quand même introduit très tôt parce que Lexibar est capable de vraiment répondre aux besoins de cette jeune clientèle-là. Et bien sûr, peut suivre cet élève-là toute sa vie, donc jusqu'à l'âge adulte. Donc, comme je le disais, là, les universitaires aussi peuvent utiliser les personnes en milieu de travail également. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la version LP5, celle qu'on va voir aujourd'hui, bien, on peut vraiment personnaliser, en fait, modifier le visuel pour que le logiciel s'adresse davantage à une clientèle, soit d'adolescents ou d'adultes. Ce qui n'était pas forcément le cas avec l'ancienne version qui avait été beaucoup, entre guillemets, cataloguée pour les jeunes utilisateurs, ce qui est vrai aussi, mais je dirais que ce qui est intéressant avec la LP5, c'est qu'on peut vraiment avoir un visuel qui s'adresse davantage à toutes les clientèles au niveau de l'âge, là. Donc, on va pouvoir voir ça un peu plus tard. Au niveau de la formation, en fait, ce qu'on va voir précisément, c'est bien sûr les paramètres, le processus de démarrage globalement, là, comment ça fonctionne. On va voir donc, comme je le disais, les cinq fonctions d'aide, donc la prédiction de mots phonétiques, la prédiction de mots orthographiques, la synthèse vocale, les illustrations et finalement le vérificateur d'orthographe. Donc, lorsqu'on parle des cinq fonctions d'aide, on parle vraiment de ces cinq fonctions qui sont énumérées ici. Et par la suite, j'ai quelques petits éléments à vous mentionner en guise de conclusion et je laisserai place à vos questions. Aujourd'hui, on est particulièrement nombreux, donc je dirais que si c'est possible pour vous de retenir, de noter vos questions pour la fin, pour la période de questions, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Mais si jamais vous avez vraiment une question vraiment qui est très précise par rapport au sujet traité, ben vous pouvez toujours la poser par écrit. Donc, comment on fonctionne avec les questions? C'est toujours dans l'onglet discussion. Là, je vois qu'il y en a qui se sont joints après le petit test là, de son. Donc, c'est vraiment dans l'onglet de discussion ou chat si votre blize est en anglais. Donc, vous allez pouvoir m'écrire vos questions. Je vais les lire à voix haute et je vais pouvoir y répondre. Comme ça, tout le monde va bénéficier de la réponse. Et voilà. Donc, pour le processus de démarrage et des paramètres, on va y aller concrètement. Donc, je vais vous montrer. Ici, ce que vous retrouvez sur le bureau, l'icône juste ici, c'est le fameux icône pour Lexibar LP5. Donc, si vous avez connu l'ancienne version, c'était cette icône-là, en fait, qui était le logo.
de l'entreprise Elem Technologies. Donc, ça, c'est l'ancienne version. Je vous invite à utiliser la LP5 si, bien sûr, vous avez un ordinateur qui est adéquat. Il faut savoir que l'Exybar LP5 requiert beaucoup plus de ressources, donc un ordinateur un peu plus performant parce qu'on a ajouté beaucoup plus d'illustrations et de paramètres, donc, pas de paramètres, mais de fonctionnalités, en fait, qui requièrent quand même un ordinateur là, avec des bonnes ressources internes. Si vous avez des questions par rapport à ces ressources-là, vous pourrez toujours m'écrire un petit courriel et on pourra vérifier ça ensemble. Donc, je vais faire démarrer l'Exybar. Donc, double-cliquer sur l'icône qui est sur le bureau et on a donc l'ouverture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu le logo l'Exybar et une flèche qui pointe vers le bas. Pourquoi? Parce que l'Exybar va vraiment aller créer une icône ici parmi les icônes cachées du Lexibar. J'ai ici Esther, je suis la présentation, mais je ne vous entends pas. OK, pourtant, il y a le son qui est activé. Si jamais vous ne m'entendez pas, écrivez-moi. En fait, là, vous ne m'entendrez pas, mais bon. Il faut vraiment vous assurer d'avoir le son qui soit adéquat pour la présentation. Alors, si vous m'entendez, en fait, dites-moi-le, comme ça va me rassurer un peu. Je crois qu'on a un micro qui s'est rajouté. OK, c'est beau. Donc, si tout va bien, indiquez-le moi, ça va. OK, je vous entends. Super, merci Valérie. Ça me rassure un peu. OK, donc, je disais que l'Exybar va aller créer un icône ici. Donc, je ne sais pas si vous avez vu là en bas à droite de votre écran, à côté de l'heure, vous avez une petite flèche qui pointe vers le haut et qui vous permet, dans le fond, d'afficher les icônes cachées. Donc, tous les icônes ici sont les icônes de tous les logiciels qui fonctionnent actuellement sur le poste en arrière-plan. Donc, c'est là qu'on retrouve l'Exybar. C'est par ce chemin-là précis que vous allez avoir accès aux menus, aux paramètres et tout ça. Donc, ça peut être un peu déroutant de ne pas voir une fenêtre flottante parce que l'objectif du Lexibar, c'est vraiment qu'il soit le plus épuré et minimaliste possible. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de menu qui demeure en place à l'écran. Lexibar va seulement intervenir en contexte d'écriture et de lecture, donc comme on va le voir lors des exemples. Vous allez voir, j'ai un petit message ici. C'est bon, merci. Bon, super. Donc, le son fonctionne. Je crois que c'est juste un problème précis lié peut-être à l'ordinateur. Donc, pour le menu, en fait, pour accéder au menu, vous allez avoir besoin de faire un clic droit de la souris sur l'icône, donc comme tous les logiciels qui se trouvent ici là, dans cette section-là. Et vous allez donc voir apparaître les paramètres, le centre d'apprentissage, le centre des messages, l'onglet à propos, recherche de mise à jour et quitter. Donc, quitter ici, là, c'est vraiment lorsque vous voulez fermer l'Exybar et qu'il ne soit plus en arrière-plan. Donc, si vous voulez redémarrer votre Exybar, il faut aller vraiment cliquer sur quitter et le redémarrer via le raccourci sur le bureau. Ça, c'est vraiment important parce que des fois, il va être juste désactivé puis là, on pense qu'on l'a redémarré, mais non, c'est vraiment par quitter. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les paramètres pour voir ce qu'il est possible de faire concrètement là, pour l'adapter aux besoins de l'utilisateur. Alors, au niveau des paramètres, ce qui est, vous allez voir, c'est très simple. Comme la clientèle peut être très jeune, donc les paramètres sont très, très simples à utiliser. Donc, on parle ici de petits boutons cliquables comme ça. On remarque ici, il y a quatre onglets. Donc, le premier onglet, c'est l'onglet général. Le deuxième, fonction d'aide, synthèse vocale et raccourci. Donc, par défaut, on atterrit dans le premier, qui est l'onglet général. Donc, la première option ici, exécuter au démarrage de Windows. Donc, ça, quand même assez pratique pour les plus jeunes utilisateurs qui vont parfois oublier de lancer l'Exybar automatiquement. Donc, on peut l'activer et l'Exybar va toujours démarrer en même temps que votre ordinateur. La deuxième option, c'est la gestion de la langue automatique. Donc, cette option-là est précisément utile pour les personnes qui vont beaucoup passer de l'anglais au français. Là, je parle bien ici de la lecture de texte. Donc, si quelqu'un qui va lire des textes en français va passer à l'anglais, c'est très intéressant parce que l'Exybar est capable de reconnaître la langue du texte. Donc, si je suis sur Internet, je sélectionne un texte en français,
Ça va être la voix française qui va lire le texte. Et si tout de suite après, je sélectionne un texte en anglais, l'expert va détecter que le texte a changé de langue et va utiliser la voix de synthèse anglaise. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais l'expert est bilingue. Donc, vous pouvez utiliser l'expert en français et en anglais. Si ce n'est pas le cas de votre utilisateur ou ce n'est pas votre cas à vous, je vous invite à désactiver l'option. Pourquoi? Parce que comme ça concerne précisément la lecture, des fois l'élève peut se faire lire son propre texte qui contient plusieurs erreurs. Et si les mots mal orthographiés appartiennent au dictionnaire anglais, mais là, ça peut être par exemple la voix de synthèse anglaise qui va lire son texte en français, mais avec des erreurs. Donc, ça peut créer des situations un peu problématiques. Donc, si c'est pas un, si vous n'êtes pas dans une école d'immersion, si l'élève ne va pas passer du français à l'anglais souvent, je vous invite à désactiver. Ça va peut-être vous éviter quelques problématiques. Au niveau de la langue préférée, donc en fait, c'est la langue du lexibar au complet. Donc, c'est-à-dire si je le mets en anglais. Le menu est automatiquement en anglais. Et c'est aussi la langue pour la rédaction. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez écrire un texte en anglais, il faut vraiment venir indiquer au Lexibar que vous changez de langue ici. Comme ça, la boîte de prédiction de mots va vous suggérer des mots dans la bonne langue. Donc, ça, c'est un prérequis important. Au niveau des voix de synthèse, donc ici, on a Pamela, qui est notre voix entre guillemets franco-canadienne, mais il y a plusieurs autres voix. Je dirais français de France, mais en fait, tout est une question de préférence et aussi de quelle région vous vous trouvez, hein, des accents régionaux. Donc, dans certains cas, ça peut être préférable d'utiliser, par exemple, José, qui a une voix un peu plus grave, ou Eric, qui est une voix masculine, dépendamment des préférences vraiment de l'utilisateur. Je vous invite à les écouter, à les tester et vous allez pouvoir faire le choix, un choix éclairé. Au niveau des voix anglaises, c'est la même chose. On a plusieurs voix avec un accent américain et quelques voix avec un accent britannique. Donc, encore une fois, pour s'adapter vraiment à l'utilisateur. Au niveau de la vitesse et du volume, ce qui est intéressant, c'est l'option du petit curseur, surtout pour la vitesse. Ça vous permet vraiment de l'ajuster, de le paramétrer de façon quand même assez précise, donc au niveau de la vitesse, donc plus l'élève a de la difficulté, plus on peut ralentir le débit pour bien comprendre le texte. Donc là, je vais juste déplacer le curseur pour faire un petit test de son avec vous. Je retourne. Normalement, le son devrait être partagé avec. En fait, avec le logiciel Bliss, là, vous devriez bien entendre la voix de synthèse. Si jamais il y a des problèmes durant mes exemples, vous pouvez m'écrire. Mais normalement, ça fonctionne bien au niveau de Bliss. Alors maintenant, je vais aller dans le deuxième onglet, l'onglet Fonction d'aide. Et ça, c'est un onglet vraiment très intéressant parce que c'est à cet endroit précis où vous allez pouvoir personnaliser le logiciel. Donc, vous allez vraiment pouvoir l'adapter selon, par exemple, le plan d'intervention d'un élève. Donc, si par exemple, il n'est pas requis d'avoir les illustrations et la synthèse vocale. On peut venir tout simplement les désactiver. En contexte d'examen ou d'épreuve ministérielle, on peut décider de verrouiller les paramètres, hein, qu'on retrouve ici en bas, le petit cadenas, donc l'option de verrouiller. Et là, à l'aide d'une adresse courriel et d'un mot de passe, on peut donc s'assurer que l'élève ne pourra pas retourner dans les paramètres et ajouter des fonctions d'aide auxquelles il n'aurait pas droit. Donc, ça, c'est quand même très, très intéressant. On peut donc l'adapter selon les véritables besoins. Le troisième onglet maintenant, qui est l'onglet Fonction d'aide. Donc, ici, on a les quatre options au niveau de la prononciation lors de l'écriture. Donc, je vous invite à les regarder. Donc, aller, en fait, à déterminer ce qui est requis pour l'utilisateur. Donc, certains vont préférer d'avoir la relecture mot à mot. Donc, ici, prononcer les mots lors de l'écriture. Donc, chaque fois qu'on termine un mot, celui-ci est relu. D'autres vont préférer d'avoir simplement la phrase qui va être relue à la fin. Et d'autres vont préférer tout avoir. Donc, ça peut toujours être adapté. Et finalement, le quatrième onglet, c'est l'onglet raccourci clavier. Donc, il n'y en a qu'un seul présentement, mais il est quand même très pertinent si vous êtes un intervenant ou un parent. Donc, l'option d'activer et de désactiver rapidement l'exibar, donc CTRL, ALT, A,
et on refait l'opération pour réactiver. Donc, si par exemple, vous avez un mot de passe à entrer, bien, vous ne voudriez peut-être pas que la synthèse vocale le lise à voix haute ou l'affiche dans la boîte de prédiction. Donc, c'est une façon aussi, si vous faites des exercices en intervention, vous pouvez temporairement désactiver l'exubat et le réactiver par la suite. Donc, ça, c'est vraiment par rapport aux paramètres du logiciel. Maintenant, on va passer aux prédicteurs de mots parce que le temps file. Alors, les prédicteurs de mots, on l'a vu d'emblée en introduction, il en existe deux. Donc, le premier, c'est le prédicteur phonétique. Donc, le prédicteur phonétique, c'est vraiment une fonction qui fait que l'exubat se démarque de d'autres outils similaires. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment analyser et proposer des mots vraiment en fonction de la phonétique. Donc, lui, il va décomposer, en fait, va se baser par rapport aux lettres, sur les lettres que l'utilisateur a entrées. Il va décortiquer en phonèmes pour trouver une concordance avec un mot du dictionnaire. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. Il va également tenir compte de vraiment des erreurs fréquentes, des confusions phonétiques. Donc, il va aller plus loin que juste l'aspect phonème. Donc, il va vraiment aller aider les élèves qui sont en plus grande difficulté. Je dis les élèves, mais comprenez que c'est les utilisateurs, puisqu'il y a vraiment aussi des adultes qui vont utiliser l'exibar. Donc, c'est vraiment pour les personnes en plus grande difficulté, pour qui en fait la phonétique va être très importante. C'est-à-dire que les personnes qui vont écrire au son ou qui vont avoir de la difficulté à bien commencer un mot, hein, c'est ce qu'on remarque avec les prédicteurs orthographiques. Si on débute le mot avec les mauvaises lettres, et là, on peut pas retrouver le mot souhaité. Maintenant, le prédicteur orthographique, lui, ce qu'il fait, c'est un peu le travail inverse. Donc, il va vraiment se baser sur les lettres et va faire complètement abstraction de la phonétique. Donc, on va voir plus précisément des exemples, mais vous allez voir, c'est vraiment un tout autre type de prédiction. Ce qui est bon avec ce type de prédiction-là, c'est que ça peut forcer l'utilisateur à vraiment se questionner sur les lettres employées, sur sa façon d'orthographier certains mots. Donc, si j'écris auto, mais j'écris O-T-O, je ne vais pas retrouver dans le prédicteur orthographique, je ne vais pas le retrouver le mot auto bien orthographié, donc A-U-T-O. Ce qui va faire en sorte que je vais me poser la question, bon, comment je pourrais orthographier le mot différemment? Donc, ça, c'est vraiment de forcer l'utilisateur. Dans certains cas, c'est très bon et c'est possible. Et pour d'autres utilisateurs, malheureusement, c'est beaucoup plus complexe et ardu. Donc, c'est pour ça qu'on dit que cet outil-là est vraiment pour une majorité des utilisateurs. Donc, qui ne sont pas, entre guillemets, en très grande difficulté. Donc, concrètement, on va voir comment ça fonctionne. Là, j'ai oublié de désactiver les autres fonctions. Donc, ce que j'aime bien faire en formation, c'est de débuter avec les deux prédicteurs de mots pour ensuite ajouter une fonction d'aide à la suite de l'autre. Comme ça, vous voyez une belle progression dans l'ajout des fonctions et ça vous permet de vraiment constater l'impact d'une fonction par rapport à une autre. Donc, je vais retourner dans mon petit fichier ici. J'ai accroché mon clavier. Oups. OK, on l'a. Un petit délai. Parce qu'en utilisant Blizz, ça prend beaucoup de jus, entre guillemets, pour mon ordinateur. Alors, le meilleur exemple, je pense, pour vous montrer un peu la différence au niveau des algorithmes de prédiction, c'est dans mon exemple, c'est les oiseaux qui sont dans la cour, mangent des grains. L'exemple de qui, KI. Donc, mise en contexte, la prédiction de gauche, donc en bleu dans ce cas-ci, c'est la prédiction phonétique, vous l'aurez deviné, et la prédiction à droite en vert, c'est la prédiction orthographique. Donc, lorsque j'écris qui, KI, la prédiction phonétique va décomposer le son, donc formé par KI, donc le son qui, et va trouver, dans le fond, identifier les mots du dictionnaire qui ont la même phonétique, donc qui sonnent comme qui. Donc, c'est pour ça que dans un premier temps, la prédiction la plus près, en fait, qui est la bonne dans ce cas-ci, est le mot qui, QUI. Au niveau orthographique, c'est qu'il va prendre les lettres KI, il va se poser la question, quelles sont les lettres du dictionnaire qui réutilisent les lettres
KI. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve kilomètre, kilo, kidnappé, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour la prédiction, pour comprendre en fait la différence entre les deux algorithmes de prédiction. Maintenant, ici, dans l'exemple, on a une phrase qui est déjà écrite et qu'on va venir, dans le fond, corriger a posteriori. Donc, ça, c'est une façon de travailler avec Lexibar. La deuxième façon de faire, c'est qu'on peut écrire quelques lettres et voir les prédictions de mots qui sont suggérés, là, les suggestions de mots, et ensuite aller faire son choix. C'est vraiment deux façons de travailler. Pour certains, ils vont perdre l'idée en cours de route, donc l'idée de la phrase, là, ils vont perdre un peu cette idée-là. Donc, c'est préférable pour certains de l'écrire d'un premier jet, comme on pense que ça s'écrit, et venir après valider nos choix avec Lexibar. Donc, ici, dans l'exemple, oiseaux, donc les oiseaux. On voit ici que le mot oiseau au pluriel est proposé en premier lieu. Et pour remplacer maintenant, parce que là, on a fait notre choix, pour le remplacer dans le texte, il existe trois façons de faire. Donc, la première façon, c'est le double-clic de la souris. Donc, une opération assez standard. Pour certains, le double-clic est quand même difficile à acquérir. Donc, c'est pour cette raison qu'on en propose deux autres. Donc, la deuxième façon de faire, c'est le clic droit de la souris. Donc, le simple clic droit de la souris. Donc, par exemple, je prends un oiseau. Donc, un seul clic sur le bouton droit. Et la troisième façon de faire, qui est vraiment la plus intéressante, je pense, est l'utilisation des flèches du clavier et de la touche Entrée ou Enter. Donc, je vous explique ici, le curseur est sur le mot oiseau. Si j'appuie sur la flèche du bas, je bascule dans la boîte de prédiction. Et à l'aide des flèches, donc droite, gauche, en haut, en bas, comme ça, je peux naviguer parmi les choix. Et lorsque j'ai choisi ce que je voulais remplacer, j'appuie sur la touche Entrée ou Enter. Donc, pourquoi je dis que c'est intéressant, c'est que ça permet d'éliminer complètement l'utilisation de la souris. Donc, plutôt que d'avoir l'utilisation, donc je clique sur le mot, je choisis double-clic et je retourne. Donc, ça permet au cours de l'activité d'écriture de simplement utiliser les flèches du clavier. En fait, seulement utiliser le clavier plutôt. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, si je poursuis, donc on a SON, SONT. Donc, on a vraiment plusieurs choix. On va voir par la suite qu'on a d'autres fonctions, hein, qui peuvent s'ajouter, comme la synthèse vocale et les illustrations qui vont pouvoir vous aider dans ce genre de contexte-là. Notamment ici, dans le cas du mot dent, on fait face, dans le fond, à des homophones, hein, donc la stratégie de Lexibar par rapport à ça, c'est vraiment l'utilisation des images qu'on va voir juste après. Ici, l'exemple de mange, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment fonctionne l'algorithme de prédiction. Donc, c'est-à-dire que pour être pertinent et performant, dans le fond, il faut que Lexibar fasse abstraction des autres mots de la phrase. Donc, dans ce cas-ci, le mot mange n'est pas écrit M-E-N-G-E-N-T, hein, il n'a pas déjà été accordé avec les oiseaux. Donc, évidemment, la première suggestion est celle-ci. Donc, oui, l'élève pourra à ce moment-là choisir d'emblée ce choix-là. Il faut comprendre que Lexibar ne remplace pas l'élève, qui ne va pas lui donner forcément toujours la bonne réponse en tête de liste. Là, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. On va retrouver un peu plus bas ici, donc MANGENT. Donc là, c'est vraiment à l'élève ou à l'utilisateur à se poser la question. Si par contre, j'écris MANGENT, bien là, j'aurai comme premier choix, mange avec le bon temps de verbe. Ici, D. Et finalement, le mot grain. Voilà qu'on peut remplacer. Donc, ça, c'est vraiment pour le mode, disons, entre guillemets, correction. Maintenant, je vous parlais qu'on pouvait vraiment adapter le visuel de la boîte de prédiction pour s'adapter à toutes les clientèles, si on veut. Donc, voici les options de personnalisation que vous avez. Donc, pour le nombre de mots, hein, qui va être affiché parmi la boîte de prédiction, eh bien, on peut augmenter la hauteur de la boîte. Et vous avez, dans le fond, l'option de 1 à 12 mots qui vont être affichés à la fois. Donc, ça, c'est vraiment une combinaison entre la hauteur de la boîte et ici, dans les petits paramètres, vous avez le zoom qui est en fait
l'option pour agrandir les caractères. Donc là, pour la même hauteur de boîte, vous pouvez avoir trois mots d'affichés. Vous pouvez en avoir juste deux. Oups, comme ça. Donc, c'est vraiment une combinaison, en fait, des deux options. Juste remettre comme ça. Au niveau aussi des visuels maintenant. Donc ici, ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est que vous avez les prédicteurs en bleu qui est le prédicteur phonétique. Vous avez le prédicteur en vert qui est le prédicteur orthographique. Donc au niveau du repère visuel, ça peut être intéressant d'avoir une distinction entre les deux boîtes. Généralement, c'est celle-ci qui va être plus utilisée dans un contexte scolaire. Mais pour certains, il peut être préférable d'utiliser ce visuel. Donc il y a un visuel plus standard qui a été... Si vous voyez, là, il y a plus d'espace entre les mots, donc ça peut être plus facile à lire pour les personnes dyslexiques. Donc, comment j'ai fait pour changer le visuel? Donc, lorsque vous survolez ici la bande grise, hein, vous voyez le curseur change un peu, là, ça devient une plus grosse main. Et lorsqu'on clique, eh bien, on peut faire pivoter avec la souris. Donc, vous voyez, là, j'ai les trois. Donc, ça ici, c'est le troisième qui est visuel, qui est un peu plus standard, donc un affichage assez, assez basique, là. Donc, vous avez ces trois-là, ces trois options qui peuvent être, trois visuels qui peuvent être choisis. Pour la formation, je vais utiliser celui-ci. Comme ça, vous allez voir toujours un petit repère là, entre les deux boîtes. Vous avez également l'option plus tard qu'on va voir, pardon, des images. Donc, on va pouvoir ajouter à même la boîte de prédiction. Et là, depuis que je fais mon exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la boîte de prédiction se déplace. Hein? Il y a comme un suivi du curseur qui est fait, qui peut être très intéressant pour plusieurs utilisateurs de toujours garder un œil sur les suggestions, les propositions de mots. Pour d'autres, ça peut être très distrayant parce qu'il va y avoir du mouvement beaucoup à l'écran, donc ça peut déconcentrer certains. Pour cette raison, on peut, dans le fond, ancrer la boîte de prédiction à un endroit de l'écran. Donc, c'est le petit bouton du milieu ici. Donc, ça se détache et on peut venir déplacer. Et là, vous voyez qu'il y a une entête qui s'est créée, donc pour savoir hein, sur quel mot mon curseur se trouve. Et à tout moment, vous pouvez recliquer sur le bouton et revenir en mode suivi du curseur. Donc, ça, c'est deux options aussi intéressantes. Le troisième bouton, maintenant, c'est l'option plein écran. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi un mode plein écran. Tout simplement pour les personnes qui pourraient utiliser Lexibar avec deux écrans. Donc, on pourrait retrouver la boîte de prédiction sur un écran, en mode plein écran, évidemment, et l'autre écran avec le texte dans Word ou LibreOffice, peu importe. Donc, ça permettrait d'utiliser vraiment de façon optimale le mode deux écrans. Et Lexibar est aussi utilisé là, en mode tactile, donc avec un écran tactile, ça peut être intéressant d'avoir simplement à appuyer, dans le fond, sur le mot pour qu'il soit remplacé dans le texte. Alors, voilà pour la boîte de prédiction. Maintenant, on va passer à la synthèse vocale. Donc, la synthèse vocale, c'est une fonction d'aide qui s'utilise en contexte d'écriture et de lecture. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez autant entendre des textes à voix haute, donc vous faire lire vos textes, donc sélectionner un texte et avoir l'option de synthèse vocale, que vous pouvez aussi entendre ce que vous écrivez. Donc, pour vraiment prendre conscience de ce qu'on écrit, de la sonorité, en fait, ça peut être très intéressant. La troisième chose qui est bien avec l'option de synthèse vocale du Lexibar, c'est la fenêtre de lecture adapté. Donc, en fait, c'est, vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite l'exemple, mais c'est vraiment d'offrir un visuel qui va permettre de transposer un texte dans une fenêtre de lecture et que ce soit beaucoup plus confortable à lire pour les personnes dyslexiques. Alors, je vous montre l'exemple tout de suite. Je vais retourner dans mes paramètres et activer la synthèse vocale. Alors ici, comme exemple de texte, je vous ai fait une belle recherche Wikipédia sur les chats, parce que j'aime beaucoup les chats. Donc, comment on fait pour avoir accès à la synthèse vocale? Premièrement, il faut sélectionner le texte. On peut sélectionner comme ça. Là, je fais attention, dans Wikipédia, il y a des images et la lecture des images, là, c'est pas super génial. Donc, dans un premier temps, on sélectionne le texte. Et là, il y a un petit haut-parleur qui apparaît.
Ce haut-parleur-là, dans le fond, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une lecture du texte. Lorsque mon curseur survole ce fameux haut-parleur-là, vous voyez qu'il y a ici une fenêtre, c'est comme une petite fenêtre d'aperçu. Donc, pour les très courts textes, ou tu sais, par exemple, un questionnaire avec des réponses, on pourrait à ce moment-là juste sélectionner la question et utiliser la fenêtre ici d'aperçu. Parce que ce qui est intéressant avec la fenêtre d'aperçu, c'est que vous avez accès au suivi dynamique du mot lu. Alors, je vous fais un petit exemple ici. Donc, comprenez le principe. Ça peut être très intéressant parce que le texte ici sur Internet, ça peut être difficile. La mise en forme de ce genre de texte-là peut être très difficile à lire pour les personnes dyslexiques. Mais ce qui est encore mieux que la fenêtre d'aperçu, c'est vraiment la fenêtre de lecture. Donc, lorsque je clique sur la fenêtre d'aperçu, ça m'ouvre en fait cette fenêtre-là qui est une fenêtre de lecture. Vous remarquez un peu le même genre d'aménagement là au niveau de la mise en forme. Donc, il y a beaucoup plus d'espacement entre les mots, entre les lignes. Donc, c'est beaucoup plus aéré et facile à lire qu'un texte sur Wikipédia, par exemple. Et on retrouve ici les boutons de lecture, d'avance rapide et de retour en arrière. J'ai fait pause. Je vais vous montrer aussi que vous avez la même façon de faire pour changer le visuel. Donc, on retrouve celui-ci et celui-ci avec un contraste un peu différent. Dans les paramètres, hein, on retrouve toujours la petite roulette. Donc, vous avez accès au zoom. On peut agrandir les caractères comme ça. Au besoin, on va voir après qu'on peut rajouter les images. Et là, ici, on a encore le mode plein écran. Oups, j'ai accroché ma souris. Je m'excuse. J'ai cliqué à l'extérieur. OK. Donc, le mode plein écran peut être très intéressant. Pourquoi? Pour éviter, dans le fond, toutes les distractions que vous pouvez retrouver autour de la fenêtre de lecture, hein. Surtout si vous êtes sur Internet, vous pouvez avoir là, des publicités qui clignotent un peu autour, là. Donc, ça peut être intéressant de mettre le mode plein écran dans ce cas-là. Tout à l'heure, je vous parlais de la gestion automatique de la langue. Donc, ici, je vous ai sélectionné un texte en anglais. Et on va voir en fait que automatiquement la voix de synthèse va changer pour la voix anglaise. Donc, comprenez le principe, là, ça peut être vraiment intéressant pour les élèves en immersion ou même les adultes qui vont lire des textes autant en français qu'en anglais. Donc, pas besoin d'aller toujours dans les paramètres pour changer la langue, dans le fond. Maintenant, en contexte d'écriture. Voici un exemple de phrase écrite par un élève avec dyslexie d'orthographie. Ce que l'élève voulait écrire, c'est la phrase suivante: Le feu est beau quand je souffle dessus. Donc, vous voyez comment la phrase est écrite au son et avec beaucoup de confusion phonétique à l'intérieur. Donc, cet exemple-là nous sert, dans le fond, à vous montrer comment Lexibar, du moins la production phonétique du Lexibar, peut aider cet élève-là à corriger sa phrase, à bien écrire l'idée hein, qu'il voulait écrire, parce que c'est ça qu'il voulait réellement nous dire avec cette phrase-là. Alors là, je ne sais pas si vous entendez super bien, mais donc on entend vraiment la différence entre le son veut et le son feu. Et là, on peut remplacer. Ici, super intéressant, l'exemple de pot, PO. Donc, on va retrouver d'emblée les homophones du mot pot, parce que phonétiquement parlant, hein, ce qu'il a écrit, c'est pot. Donc, on va lui suggérer les mots qui sonnent comme pot, les homophones, et par la suite, on lui suggère des mots qui tiennent compte de l'inversion P et B. Donc, on retrouve pot. Donc, on peut les écouter et là, on peut entendre la différence entre le son beau. Ici, encore une fois, c'est des homophones. Alors, les images sont l'aide supplémentaire que l'élève aura besoin, dans le fond, dans ce cas-ci, dans bien des cas. Et voilà, je remplace. Et voilà. Donc, avec l'aide de la production phonétique et de la synthèse vocale, on a déjà un gros coup de pouce pour arriver à rendre cette phrase incompréhensible, pardon, en phrase compréhensible. Donc ça, c'est vraiment
un des objectifs de la synthèse vocale. Mais ce qu'il y a encore mieux, ben, encore mieux, en fait, qui peut être encore plus aidant pour certains, ce sont les illustrations. Donc, les illustrations, c'est actuellement une fonction d'aide qui est exclusive au Lexibar. On compte environ, je pense qu'on est rendu à 13 000 illustrations. D'ailleurs, mon imprime-écran ici, là, de la fenêtre, vous allez voir, il y en a des nouvelles, en fait, qui ont été ajoutées dans la colonne du prédicteur orthographique. Donc, on fait vraiment, on se fait un devoir d'en ajouter au fil des mises à jour. Donc, je pense que là, c'est ça. On est rendu à environ 13 000 images disponibles. C'est une fonction d'aide qui s'utilise en contexte d'écriture et de lecture, encore une fois. Ce qui est très intéressant au niveau de la lecture, c'est vraiment d'améliorer la compréhension de texte, de lecture plutôt, parce qu'on va voir dans la fenêtre de lecture que je vous ai montrée qu'on peut ajouter les images au-dessus des mots. Donc, pour les plus jeunes utilisateurs, pour les personnes dysphasiques ou pour les allophones qui vont, les allophones, en fait, ceux qui sont en processus d'apprentissage du français plutôt, ça peut être vraiment très intéressant de l'utiliser en contexte de lecture. Et finalement, bien, en contexte d'écriture, ce qui est intéressant, c'est vraiment de bien comprendre le concept des mots qui sont suggérés dans la boîte de prédiction. Donc, ça aide vraiment à orienter le choix vers le bon mot, celui qu'on souhaite écrire. Alors, je vais donc ajouter cette fonction juste ici. Et là, je vais faire. Oups! Je t'ai retourné un petit peu trop loin. Voilà. J'ai fait un petit retour en arrière pour arriver au résultat initial, en fait, à la situation initiale de la phrase de notre élève. Alors ici, on voit qu'en ajoutant les illustrations, bien là, ça devient un peu plus clair au niveau du choix de mots. Donc, non seulement on entend le son feu, le mot feu plutôt, et on voit l'image du feu. Donc, clairement, ça va aider grandement l'élève à faire le bon choix. Alors, je vous disais ici dans mon exemple de peau. Donc, comment on va faire pour différencier les homophones dans ce cas-ci? Parce que lorsque je clique, ben, oups, pardon, lorsque je clique, ça va sonner de la même façon. Et là, j'entends le son beau et je vois l'image. Donc, beau aussi étant un concept difficile à illustrer plutôt. Donc, il y a aussi une plus-value en fait à avoir certaines images pour bien représenter certains concepts. Notification. Alors, quand vous voyez les trois petits points, vous avez juste à augmenter la largeur ou diminuer le zoom. Donc, ici, au niveau de quand, hein, avec l'horloge, ça devient vraiment, vraiment plus facile et aisé de faire le choix. Même chose ici au niveau de souffle, hein. On voit qu'on a les illustrations pour chaque temps de verbe. Donc, c'est sûr qu'au niveau des verbes, il va y avoir une seule image pour le verbe et tous les temps différents, ben, ça sera toujours la même image. Et là, il va rester à écouter, dans le fond, ce que la synthèse vocale va dire pour faire son choix. Et voilà. Donc, vous voyez comment ça va. Ça peut vraiment donner un très grand coup de pouce aux élèves en difficulté là, d'avoir accès non seulement à la synthèse vocale, mais en plus aux illustrations. Si je reviens à mon exemple de texte sur les chats, eh bien, dans cette fenêtre-là, je peux ajouter les illustrations. On se souvient qu'on a également l'option des images, donc on peut retirer en tout temps, parce que pour certains utilisateurs, ce n'est pas nécessaire de l'avoir dans la fenêtre de lecture, mais pour d'autres, ça peut être intéressant de les avoir et donc d'avoir la lecture et les images. Là, c'est sûr que le débit est quand même rapide, là. Bien sûr, on peut toujours modifier en fonction des aptitudes, des habiletés là, de l'utilisateur. Maintenant, la cinquième fonction d'aide, mais non la moindre, qui est le vérificateur d'orthographe. Donc, première chose à savoir avec cette fonction-là, c'est que ce n'est pas un correcteur d'orthographe. Donc,
Il n'y a vraiment aucune prétention là, dans l'Excibar d'arriver à un résultat de phrase sans faute. Ce n'est pas l'objectif. Il existe sur le marché de très bons correcteurs d'orthographe qui vont vraiment avoir d'autres types d'algorithmes complètement que ceux du Lexibar. Donc, ils peuvent être utilisés a posteriori, donc après l'utilisation du Lexibar, parce que l'objectif premier de Lexibar, c'est vraiment d'avoir un résultat, en fait, des phrases qui sont compréhensibles, donc avec des mots qui existent, des mots du dictionnaire, aussi simple que ça. Ce que le vérificateur d'orthographe permet, c'est vraiment d'avoir un système de coloration des mots. Donc, en fait, d'avoir certains mots qui sont identifiés en vert comme étant des mots bien orthographiés. Quand on dit bien orthographié, en fait, ce sont des mots qui appartiennent au dictionnaire. Donc, vous voyez ici toute la nuance. Donc, dans le contexte d'une phrase, vous pouvez voir des mots en vert, des mots qui appartiennent au dictionnaire, mais ce ne sera pas forcément le bon mot dans le contexte de la phrase ou ce ne sera pas le mot bien accordé. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que ce n'est pas un correcteur. Donc, c'est vraiment un système d'indicateurs. Les mots en bleu, ce sont des mots, en fait, qui ont une concordance phonétique avec un mot du dictionnaire ou, en termes plus simples, des mots écrits au son. Donc ça peut être un très beau repère visuel pour un intervenant ou pour un parent. Donc, il pourrait voir, identifier beaucoup de mots en bleu dans un texte d'élève ou de son enfant. Donc, ça nous indique quoi? Ça nous indique que l'élève, l'enfant est porté à beaucoup écrire au son. Et on pourra travailler ensuite d'autres stratégies avec lui par la suite. Et finalement, les mots en rouge, en fait, ce sont des mots qui non seulement sont mal orthographiés, mais qui n'ont pas de concordance phonétique avec un mot du dictionnaire. Donc, autrement dit, ils sont mal orthographiés et ils ne sonnent pas comme un mot du dictionnaire. Donc, il faut travailler un petit peu différemment. Donc, c'est vraiment l'objectif de la fonction d'aide, c'est vraiment ça. Donc, lorsqu'on active la fonction, on remarque ici, là, on est toujours dans la fenêtre de lecture. Plutôt que d'être écrit en noir, ben les mots vont prendre une couleur à ce moment-là. Je vais prendre exactement le même exemple que dans le PowerPoint. Alors, je vais accéder à la fenêtre de lecture. Donc, on remarque ici, j'ai accroché un bouton. Alors, on remarque ici que les mots sont donc soit en rouge, en bleu ou en vert. Et là, dans ce contexte-ci, j'avais déjà les images, pardon, activées. On peut toujours les retirer. Ce qui est intéressant dans cette fenêtre-là, qu'on a vue depuis le début comme une fenêtre de lecture, mais en fait, c'est vraiment une fenêtre très multifonction. Donc, ça permet l'édition du texte et même la rédaction. Ce qui est intéressant dans cette fenêtre-là bien précise, c'est que vous avez rapidement accès aux cinq fonctions du logiciel. Pourquoi? Parce que vous avez accès à la synthèse vocale. Donc ici, vous pourriez vous faire lire dans un premier temps la phrase. On va faire l'exercice. Donc là, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais ça sonne un peu croche. Donc, c'est déjà une première indication pour l'élève de savoir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de sa phrase. Donc, on a la synthèse vocale, on a les images, on a bien sûr le vérificateur parce qu'on a les mots en couleur. On a également les deux boîtes de prédiction, donc pour faire son choix de mots. Et l'objectif de tout ça, c'est quoi? Ben, c'est que l'élève ou l'utilisateur puisse concentrer ses efforts de correction seulement sur les mots mal orthographiés plutôt que sur l'ensemble des mots. Donc, ça permet vraiment de conserver ses efforts, là, disons, vraiment là où ça compte, et pour arriver, dans le fond, à un résultat où tous les mots de la fenêtre seront en vert. Donc, idéalement, c'est ça l'objectif. Lorsque vous remplacez le texte, dans le fond, vous corrigez, bien, il va prendre bien sûr la couleur verte pour vous indiquer, dans le fond, que le mot existe et l'image également va s'ajouter lorsque elle est disponible. Là, je vais rapidement parce que je veux que vous ayez aussi du temps pour poser vos questions après. Donc, soir, et là, vous voyez, tous les mots sont maintenant en vert. Je peux donc refaire une lecture de la phrase. Je vais aller voir l'équipe de hockey ce soir.
Donc là, ça sonne beaucoup mieux. Et à chaque fois que vous allez faire une édition, une modification dans cette fenêtre-là, il va avoir ici en bas à droite de la fenêtre un bouton qui va vous permettre d'insérer dans le logiciel dans lequel vous êtes. Donc ici, c'est Word, donc c'est écrit insérer dans Microsoft Word. Si vous êtes dans un autre logiciel qui est compatible, bien, ça va écrire le nom de votre logiciel. Et ce que ça va permettre de faire, c'est vraiment de remplacer. Donc ici, dans mon texte, j'ai pu remplacer la phrase. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je pourrais en fait continuer de faire l'écriture, si on veut. J'ai juste un problème de résolution, là, mais donc on peut continuer de faire la rédaction du texte à même cette fenêtre-là pour ensuite insérer dans le fichier de texte. Donc, c'est vraiment ce à quoi sert le vérificateur d'orthographe. Donc, c'est pas, comme vous voyez, c'est pas un correcteur. Donc, il va pas identifier des erreurs d'accord et tout ça, là, c'est vraiment pas son objectif et c'est vraiment important de bien le comprendre parce que sinon, c'est un peu déroutant. Maintenant, avant de laisser place à vos questions, en guise de conclusion, j'ai trois petits éléments à vous faire part. Donc, la première information importante à savoir, c'est que parmi les cinq fonctions qu'on a vues aujourd'hui, il y en a trois qui sont offertes gratuitement pour tous, sans contrainte de temps, sans condition particulière, en fait. Comment on peut faire pour se prémunir de ça? Eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur notre site Web et de télécharger le logiciel. Évidemment, si c'est la première fois que vous l'avez téléchargé et installé, je parle ici de la LP5, bien vous allez avoir 30 jours d'essai gratuit. Donc, les premiers 30 jours, vous aurez accès pleinement au logiciel, donc les cinq fonctions d'aide. Et au bout du 30 jours, bien, plutôt que de vous retirer complètement l'accès au logiciel, vous pourrez poursuivre l'utilisation des trois fonctions d'aide suivantes, donc la prédiction orthographique, la synthèse vocale et le vérificateur d'orthographe. Donc, vous remarquez ici, ce sont les trois fonctions d'aide qui, dans le fond, peuvent correspondre à des besoins, là, je dirais, d'une majorité d'élèves ou d'utilisateurs. Donc, des utilisateurs en moins grande difficulté. Donc, vous comprendrez que les fonctions, entre guillemets, payantes, là, qui viennent avec l'achat d'une licence, sont donc les fonctions spécialisées, donc la prédiction phonétique et les illustrations. Mais si l'élève ou l'utilisateur n'en a pas besoin, eh bien, il peut être en mesure d'utiliser Lexibar totalement gratuitement. Donc, ça, c'est une information très importante que je vous invite à partager si vous avez des patients, des élèves ou si vous avez un enfant qui aurait besoin d'avoir ce genre d'outils-là, eh bien, ils sont offerts gratuitement. Ensuite, les tutoriels vidéo. Je trouve ça important de vous mentionner. Ici, j'ai mis l'URL, mais je pense qu'avec le nouveau site web, je pense que ça ne fonctionnera plus avec cette URL-là. En fait, vous devez aller sur le site web, lexibar.ca. Vous allez aller dans l'onglet ressources dans le menu et vous allez voir tutoriel vidéo. Donc, pourquoi je vous en parle? Parce que chaque fonction d'aide a un tutoriel vidéo, en fait, qui permet d'expliquer comment ça fonctionne, mais aussi quels sont les objectifs pédagogiques derrière chaque fonction d'aide. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à les visionner. Et il y a aussi un tutoriel vidéo complet sur l'installation. Hein, pour ceux qui ne sont pas trop techno, le tutoriel vidéo est vraiment super intéressant pour voir les étapes pour installer le logiciel sur votre ordinateur. Et finalement, l'aide-mémoire que vous allez trouver aussi dans les ressources, dans les manuels et guides. Donc, vous allez pouvoir voir ça aussi sur le site web, mais vous allez également le recevoir par courriel suite à ce webinaire-là. Vous allez recevoir un courriel dans le fond, un courriel de résumé. En fait, vous allez avoir accès à l'enregistrement de la formation d'aujourd'hui et vous allez avoir accès à l'aide-mémoire et à la présentation PowerPoint. Donc, je sais que des fois, il y en a qui me posent la question à la fin s'ils peuvent avoir accès au PowerPoint. Oui, vous allez le recevoir par courriel après la formation, là, je dirais au courant de la journée. Alors, voilà pour les petites informations que j'avais pour vous. Je vous remercie d'avoir été là et maintenant, je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je vous rappelle que pour poser vos questions, c'est important de les écrire dans
l'onglet chat, l'onglet discussion, dépendamment si votre logiciel est en français ou en anglais. Donc, je vais rester tant et aussi longtemps que vous aurez des questions pour moi. Et ça me fait plaisir de vous répondre. Alors, j'ai une première question d'Isabelle. Bonjour, je suis ergothérapeute libérale en France et j'ai plusieurs questions. Bon, mais ça tombe bien, je suis là. Je peux peut-être aussi vous remettre mes coordonnées. Donc, Esther, je vais aller voir les tutoriels et aide. Merci. Un gros merci. Super. Bien, écoutez, ceux qui n'ont pas de questions, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ça va me faire vraiment plaisir de vous reparler prochainement si vous avez des questions. Merci d'avoir été là et je reste pour tous ceux qui ont des questions. Alors, Valérie me demande le prix du logiciel. Il y a beaucoup de prix différents, dépendamment si c'est pour une institution, si vous êtes en France ou au Québec. Le plus simple, ce serait d'aller sur le site web dans la section Acheter, puis vous allez avoir tous les détails pour les licences multipostes, les licences monopostes. Donc, c'est parce que c'est un peu compliqué de donner ça à l'oral. Le plus simple, ce serait d'aller sur le site dans la section Acheter et ça va être beaucoup plus simple pour vous de vous y retrouver. Merci, super. Bien, bonne journée ceux qui désirent quitter. Merci. Alors, Isabelle, Lexibar fonctionne-t-il sur d'autres traitements texte que Word, c'est-à-dire OpenOffice ou OneNote? Oui, tout à fait. Donc, Lexibar est fonctionnel avec LibreOffice, OpenOffice, Google Docs, OneNote également, WordPad. Si vous voulez avoir la liste complète des logiciels, je vous référerai à la fiche technique que vous allez retrouver sur le site web dans la section Assistance, si je ne m'abuse. Je pourrais aller voir avec vous. Donc, ici, sur le site web, soutien technique, pardon. Donc, vous pouvez aller dans manuel et guide juste ici. Et dans la fiche technique que vous retrouvez ici, vous allez voir un petit peu plus bas. Donc ici, logiciel supporté. Donc, oups, j'ai mon lien. Donc, vous avez tous les logiciels ici qui sont énumérés. Donc, vous pouvez vous référer pour savoir si le vôtre fait partie de la liste. Peut-on changer la police par exemple OpenDyslexic? Non, on ne peut pas changer la police du logiciel. OpenDyslexic, c'était d'ailleurs la police qui était utilisée dans l'ancienne version. Puis la raison pour laquelle on a changé pour Comic sans MS, c'est parce qu'il y a eu des recherches universitaires qui auraient proposé en fait la police Comic sans MS pour que ce soit plus facile à lire pour les personnes dyslexiques. Mais malheureusement, il n'est pas possible là, dans le logiciel de faire ce type de modification. Et également, il n'est pas possible non plus d'ajouter prénom, ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modifications, en fait, comment je pourrais dire, les paramètres ont été très limités dans Lexibar parce que la clientèle qui utilise Lexibar est en plus grande difficulté et chaque fois qu'on ajoute une fonctionnalité, un paramètre ou une option plutôt, ça fait en sorte que le logiciel devient un peu plus complexe chaque fois. Donc, c'est comme un peu à chaque fois un choix déchirant de savoir est-ce qu'on permet ou non ce type de modification. Présentement, dans la version LP5, ce n'est pas possible. Mais potentiellement que dans une future version, il y aura une façon pour l'intervenant d'intervenir en fait sur ce type de paramètres-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas. Merci beaucoup, Catherine. Donc, je pense que je n'ai pas d'autres questions. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu de voir s'il n'y a pas d'autres questions avant de vous laisser. Est-ce que vous savez si Lexibar est accordé par l'Éducation nationale en France? C'est une excellente question parce que présentement, c'est ce qu'on est en train justement d'évaluer parmi les utilisateurs qui se trouvent en France. Ben, je ne sais pas s'ils ont accès
Alex Bas, vraiment, là, tu sais, pour des examens ministériels et tout ça, c'est ce qu'on est en train d'évaluer. Je sais que c'est accordé par certaines, par certains, je sais pas si ça s'appelle les MDPH, enfin les subventions accordées par certaines régions en France. Il y en a qui vont accorder l'Exibar, qui vont même subventionner. MDPH, oui. Donc c'est ça. Je sais que c'est accordé, mais là, concrètement, est-ce que c'est jusqu'à quel point c'est accordé en France? J'ai pas encore la réponse. C'est vraiment la question qu'on évalue en ce moment. Ce mois-ci, justement, savoir comment on pourrait mieux être intégré là, dans le système scolaire français. Donc, si vous avez des suggestions à nous faire par courriel, sentez-vous bien à l'aise. On va vous écouter avec plaisir. Là, je vous remets ici mes coordonnées pour que vous puissiez m'écrire au besoin. Donc, est-ce que j'ai d'autres questions ici? D'accord, je suis fortement intéressée pour un enfant dysphasique, mais pour demander à la MDPH, il faudrait un devis. Comment fait-on? Excellente question. En fait, en Europe, plus précisément en France, Belgique et Suisse, on a un partenaire qui travaille avec nous pour la distribution du logiciel. Donc, pour tout ce qui est les devis personnels, donc au nom d'un enfant, c'est l'entreprise CCIA ou Lexidis, en fait, lexidis.com, leur site web qui fournit ce genre de devis pour Lexibar. Ce que vous pouvez faire, c'est m'écrire un courriel et je vais vous mettre en contact avec Catherine. Donc, Catherine fournit les devis justement pour les demandes à la MDPH et comme ça, vous allez pouvoir avoir le bon devis parce que bien sûr, nous, on n'a pas ce système-là. On peut faire des devis pour les écoles, mais présentement, notre système ne nous permet pas en fait de fournir de devis au nom d'un enfant. Super. Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Oui, une dernière question pour Isabelle. Super. Et pour les autres, je ne sais pas si j'en ai d'autres. Je vais juste vérifier que je n'ai pas oublié personne. Non, alors j'ai pas d'autres questions. Fait que j'attends votre question, Isabelle. Je vous laisse le temps de taper. Alors, y a-t-il un partenariat entre professionnels et Lexibar ou doit-on forcément acheter Lexibar au prix fort? Oui, bien là, en fait, si vous faites référence aux licences pour professionnels, alors effectivement, si vous allez sur notre site web, ici, dans la section professionnelle, vous allez retrouver, dans le fond, le formulaire nécessaire pour demander votre licence. Donc, ici, ce qu'on voit, ce sont les professions qui sont incluses dans ce programme-là. Donc, orthophoniste, logopède, logopédiste, ergothérapeute, neuropsychologue, psychologue et orthopédagogue, membre de l'ADOC. C'est vraiment juste pour le Québec. Donc, c'est une profession qui n'existe pas ailleurs qu'au Québec. Donc, vous avez vraiment toute l'information. Donc, si vous cliquez ici, nouvelle demande, vous allez tout de suite avoir le formulaire donc, que vous avez à compléter. Et par la suite, on vous fournit une licence Lexibar. Donc, vous n'avez pas à débourser de frais là, pour avoir une licence pour explorer le logiciel, l'essayer avec vos patients et voir là, si c'est un logiciel intéressant pour certains. Donc, c'est le partenariat qu'on offre avec les professionnels. Super. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Je pense que j'ai pas d'autres questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Déjà, 12h04 ici et 18h en France. Donc, je vais vous laisser. Et n'hésitez pas à m'écrire des questions par courriel ou à m'appeler. Ça va me faire plaisir de vous aider et de vous répondre de répondre à ces questions plutôt. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Et qui sait, à la prochaine.
Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée. Merci, bye bye.